Bonjour, merci de bien vouloir répondre à nos questions. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez pensé de la saison précédente, comment vous l'avez vécue. Bah, la saison s'est très bien passée, donc on a fini sur le pôle de France, déjà, donc on a vraiment fini sur une bonne note. Mais toute l'année on a été constante et je pense que c'est ça qui nous a emmené au bout. D'accord. Et que pensez-vous de votre expérience en équipe de France? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Eh bien, j'arrive tout juste en équipe de France, donc c'est toujours une très bonne expérience de jouer contre les meilleurs. J'ai participé aux championnats du monde et aux championnats d'Europe, donc très bonne expérience. Et donc, qu'est-ce que vous envisagez pour la saison prochaine? Quel est votre but un petit peu? Bah, notre but, c'est de défendre notre titre de championnat de France et on va aussi disputer la compétition en Euroleague. Donc voilà. Et du coup, vous avez une nouvelle coéquipière comme Mind Jones, vous avez bien formé une cohésion dans ce groupe? Bah, pour l'instant, on n'est pas au complet encore, donc on attend les autres choses qui arrivent et pour l'instant, ça se passe très bien. D'accord. Et au niveau de la préparation aussi Bah, comme je disais, on n'est pas au complet, donc c'est un peu difficile pour l'instant, mais voilà. Et sinon, vous avez combien d'heures d'entraînement par semaine à peu près? On s'entraîne deux fois par jour et ça dure à peu près une heure. D'accord. Est-ce que vous avez par exemple un petit porte-bonheur, quelque chose qui fait que avant tous les matchs J'ai pas forcément de porte-bonheur, mais une journée avant les matchs, je fais toujours un peu les mêmes choses. Voilà, je sors pas trop. Et comment vous avez découvert le basket en fait réellement? Alors mes deux parents étaient basketteurs, mon père était professionnel et donc voilà. D'accord, bon bah merci d'avoir répondu aux questions.